Weapons of Ass Destruction, Ass Traffic Volume 2, Evil Anal 8, Gangbang My Face, Deep Inside, Dirty Débutante, Docteur Fellatio Sale, Je vois que monsieur est gourmand, Sextoy chromé de 15 cm, Pénis en verre de 20 cm, Kit esclave sexy et dispositif de sangle de retenue. Ça, c'est la collection privée de l'un des financiers les plus respectés de la planète. Jeffrey Gunlash est gérant obligataire américain de 53 ans. Il vit à Los Angeles. Malin, brillant, génial, il se surnomme lui-même le parrain ou encore le pape. Désigné en 2006 gérant de l'année par Morningstar, Jeffrey Gunlash a travaillé 24 ans pour TCW, filiale de gestion d'actifs de la Société Générale. Mais décembre 2010, il est viré, licencié en mode hardcore par TCW qui engage contre lui des poursuites judiciaires pour vol de données confidentielles, mensonges, détention de drogue et de matos plus qu'au coquin sur son lieu de travail. Dans son ancien bureau, son ex-employeur a retrouvé des sacs de marijuana, une collection de 12 sextoys, 34 magazines de cul, 36 DVD et même des VHS porno. Et là tu te dis qu'il est fini, mais Jeffrey, il se démonte pas. Il va même réaliser le plus gros gangbang façon Rocco avec 40 de ses collaborateurs sur la petite filiale de la française Société Générale, la coquine. Quelques jours à peine après son licenciement, il conteste les accusations portées contre lui et crée directement une nouvelle société, Double Line. Par la même occasion, il recrute plus de la moitié des salariés qui travaillaient sous ses ordres. Enfin, il réclame 1,25 milliard de dollars pour services rendus pendant sa mission. En même temps, comme il le dit si bien, combien de personnes à part lui, dans l'histoire de l'industrie, ont été en mesure de mettre sur pied une société de 14 milliards de dollars de gestion d'actifs en seulement 2 ans ? Zéro. Et selon Morningstar, son Total Return Bond Fund est tout simplement le fonds qui a attiré aux États-Unis le plus de dépôts en 2012. Et la plus belle ? Le 4 décembre dernier, Jeffrey Gunlash a privatisé le restaurant qui se trouve juste en bas des bureaux de son ancien employeur, TCW, pour y célébrer ses 3 ans de licenciement et ses 50 milliards de dollars sous gestion. En finance, on peut être un gros branleur et réussir. The number you have dialed is not in service at this time.